Nous, nous sommes une ville que nous avons d'ici, il faut qu'elle soit une ville durable, une ville écologique. Nous avons le patrimoine naturel parce que nous avons deux parcs naturels qui entourent la ville. C'est la stratégie, bien sûr, qu'il a bien définie. Nous voulons un touriste qui est responsable, un touriste qui est consciencieux, un touriste qui donnera une valeur ajoutée au patrimoine. Nous ne voulons pas un touriste de masse, de grande masse, mais surtout un touriste qui donnera de la valeur ajoutée à la ville. Et nous misons beaucoup sur le tourisme national parce que c'est important pour la durabilité. Qui résume bien la philosophie de Chef Chaouen, c'est cette idée du bien vivre. Les gens viennent chercher la tranquillité, l'authenticité de ce territoire et quelque chose d'assez particulier, d'assez immatériel qu'il y a dans l'air qui fait qu'on se sent bien ici et donc on a des produits de terroir de qualité, ce que les gens viennent chercher aussi, d'où l'intérêt d'avoir une relation avec le secteur agricole. Non, moi je me suis levée la première. Rien de plus. Non, on va dormir là, on va reprendre leur lit. C'est grave. Avec le groupe, c'est très sympa et très important. J'ai appris beaucoup de choses pour ma coopérative de services touristiques, Inch'Allah, et pour mon association, et pour mon projet de camping aménagé. Et vous êtes invités de retourner chez moi l'année prochaine, Inch'Allah. Alors je souhaite tout le groupe bonne continuation de voyage vers le sud. En construisant ce programme de la caravane, mon souhait, c'était de pouvoir partager ces lieux qui sont magnifiques. Et ces démarches, ces initiatives qui sont porteuses de beaucoup d'enthousiasme, de chaleur, d'énergie. Je voulais vraiment créer un site où on pouvait trouver à la fois une harmonie entre le monde végétal, animal. C'était ça mon projet de vie. On travaille évidemment avec le paillage, on récupère les eaux pluviales, on fait notre compost permaculture direct,
au pied des arbres et microclimat. On a créé un microclimat. C'est ça qui est important. Ces arbres que vous voyez, tout ça était planté, hein. Il n'y avait absolument rien. Il n'y avait que des petits figuiers. Ce que vous voyez là-bas, c'est des petits figuiers sauvages. Et les vieux figuiers qui ont été rajeunis depuis. C'est ce que vous avez là. Mais c'est tout, hein. Tout ça, c'était une zone de... C'était comme vraiment un paysage lunaire, parce que c'était assez tourmenté, hein. Si vous voulez jeter un coup d'œil au puits, vous allez voir qu'on vient de prélever, on vient de prendre de l'eau en haut, mais vous allez voir qu'il y a de l'eau. De l'eau, oui, ou oui, des fosses, oui. Il y a pas de... C'est là. C'est un olivier sauvage. C'est de prendre le temps aussi, absolument. Partager. Échanger, de partager. Parce que nous, elle a de Noël de la Sierra. Il est fait. Merci infiniment. Merci à vous. Merci beaucoup à vous. Merci à la caravane. Vis-à-vis de la terre, il y a des obstacles parce que les gens assimilent ce matériau à un mode de construction du passé, alors que c'est vraiment un mode de construction de l'avenir. Parce que quand on construit en terre, on prend la terre localement, il n'y a pas de transport, il n'y a pas de dépenses d'énergie, il n'y a pas de dégagement de CO2. Et donc c'est vraiment un matériau idéal, surtout au Maroc, pour avoir des bâtiments qui ont des qualités de thermiques très favorables. Nous avons visité des expériences magnifiques qui promettent vraiment un avenir pour le tourisme solidaire. J'espère continuer dans cette voie-là de l'écotourisme et du tourisme solidaire, et plus tard, oui, au Maroc. Je suis peut-être dans les plus anciens de la caravane, d'un point de vue de l'âge, hein, mais on a trouvé un bel amalgame avec les plus jeunes, avec les moins jeunes, et ça se passe dans une ambiance tout à fait sympathique et tout à fait détendu. Et ça permet d'avoir beaucoup d'optimisme et de continuer à pouvoir développer un tourisme solidaire, en profiter pour faire du développement durable, en rendant possible des petites activités génératrices de revenus. Voilà, comme la table paysanne, comme la maison d'hôte chez les fermiers. Voilà, ça c'est super. Je viens de découvrir que ce qui se fait dans le tourisme solidaire peut se décalquer sur Tizi Ouzou. Et pourquoi pas sur toute l'Algérie, puisque ce qui nous changera des grands complexes, ce qui nous changera un peu du tourisme qui est beaucoup plus destiné aux gens qui ont de l'argent. C'est une belle opportunité pour connaître des autres expériences, des autres gens, et surtout pour élargir les réseaux que nous faisons partie. C'est fantastique. Oui, on a fait un grand trajet avec... toute la caravane, c'était passé bien, on est content,
on est intéressé. Une super expérience qui nous a permis de rencontrer beaucoup de gens qui viennent de tous les horizons. Et c'était une richesse dans l'échange, le partage, les découvertes. Autant des gens que des expériences qu'on aura eu la chance de découvrir tout au long de cette caravane. Et j'en garde un super souvenir, même si ce n'est pas encore fini et qu'on a encore beaucoup de choses à voir.